Salut. Donc ouais, voilà, troisième vidéo. On a enfin un purifier. Donc ce que je vais faire, je vais être obligé de montrer des fenêtres de l'émulateur. Hein, parce que je vais faire un quoi qu'on peut-être pas. Je vais voir s'il y a une option dans le menu. Ouais, je vais sauvegarder. Et est-ce qu'on peut. Non, on peut pas, on peut pas quitter par là donc. Donc ouais, là je suis. Jour 2, ouais. Donc je vais quitter la ville. Voilà, jour 2. Et du coup. Que je vais faire, c'est que je vais être obligé de reset afin de commencer le scénario d'un autre. Voilà, donc là c'est chacun leur mission en fait. Ça c'est le scénario de Sion. Donc lui c'est celui qui a le jet dans l'œil. Donc lui déjà il est beaucoup plus puissant. Il a des épées très puissantes. Vous avez compris, c'est un guerrier quoi. C'est plutôt une mage mais on n'a pas beaucoup de sorts au début donc. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Faut parler à quelqu'un. Je vais entrer. Ouais, c'est ça. Là, je pense que vous comprenez tout, c'est pas très compliqué. On doit aller dans une tour, un tour des braves, pour justement devenir le plus brave. Enfin, ça commence comme ça, et puis c'est après que le scénario va s'en mêler. Crinou, c'est le roi du royaume. Logique. Donc, je me rappelle vraiment plus de rien, quoi. Voilà, il y a des expositions d'armes. Ils font un musée. Ah merde! Ça m'énerve de pas savoir ce qu'il faut faire. C'est pas là. Ça c'est bien chiant. Hein.
Et c'est divisé 100 quoi. Ok, la prison. Oui, il va un escalier. Lui. Par là, là. Ah oui, d'accord. Si je peux passer, pourquoi ils se foutent dans le chemin mais... Ah, bordel. Ils interrogent un sectaire. Donc ça, ouais, on peut pas l'ouvrir. Enfin, pas encore. Celui-là non plus. Trois coffres, trois persos. Vous avez compris. Donc ça, je crois que c'était une scène obligatoire à voir. Pour avoir la suite du jeu. Ils vont me saouler à me dire ça. Bon là ça va, je me rappelle de la route. Quoique. Si c'est ça. Ah putain, c'était pas ça. Je sais que c'est sur la gauche. Je crois qu'on pouvait passer par là. Ouais, les petits panneaux que vous voyez, c'est des affiches pour le défi de la tour des braves. Alors, comment on fait, bordel? Peut-être qu'il est là... Ouais. Il est pas dehors, quand même. Je vous ai dit, il est beaucoup plus fort. Hein. Alors, j'adore... son épée s'appelle Aspirade. Elle se perd rien du tout quoi. Ça c'est la tour des braves. Hein.
J'espère que non, qu'est-ce que je raconte comme connerie? C'est pas ça la tour des bras, ça. Tour des bras, c'est une épreuve dans le château, je crois. Enfin, je confonds tout, de toute façon, on verra. En tout cas, faut aller là. Si vous avez entendu un gros bordel, c'est. Je vous fais un coup de genou dans le bureau sans faire exprès. Désolé. Donc là, ouais, c'est 16. Puisque dans l'autre, on est toujours 2 et c'est 14. Donc. Ça c'est le thème du boss des boss action en fait. Ouais, il y a un thème de boss par scénario et un thème de boss principal par scénario aussi. Après il y a un quatrième scénario mais c'est un scénario spécial où on peut pas l'avoir au début du jeu. Là je combattais pas. Enfin là non plus je combattais toujours pas. Du coup comme je l'ai vaincu je me suis pris de jade dans la gueule. Donc ouais lui il l'a pas depuis la naissance. Et du coup l'autre il est plus... Comme il a plus jade, il est plus timbré. Bon, un géant que vous avez vu dans l'intro du jeu au début, ça existait plus normalement. Il y avait 4 races à la base. J'espère que vous avez suivi, hein, parce que j'ai pas parlé exprès. Je vais me chercher une bière pour l'instant. Donc ouais, au début, il y avait 4 races. Je me rappelle plus ce que c'était. Hein. Il y avait un truc par élément, je crois. Les géants, le naga ou je sais pas quoi. Là. Et à la fin, ils ont disparu pour donner naissance aux humains. Là. Donc les gens sont plus censés exister. Voilà, les mêmes persos. Espèce de voleur, enfin elle peut pas voler, mais voleur, enfin vous avez compris quoi, truc agilité et tout le bordel.
commence à me saouler, hein. Pourquoi on n'est pas resté là-bas dans ce cas? Oh. Ouais, là, pareil. La carte, c'est encore la même musique que le boss. Là au lieu d'arriver direct en haut. Ah, je me demande si je pouvais pas acheter de nouvelles armes. Ouais, j'entends bien. On va voir ça après. Là, je pense que le boss, je vais me le faire facile. Enfin facile. Plus facile que l'autre en tout cas. Moi, je vais pas trop traîner dans la ville pour apprendre des magies. Ça sert pas grand chose. Donc là, je vous laisse, je mets la tour à la prochaine vidéo. Je termine juste le combat. Voilà. Donc on va se retrouver à la prochaine vidéo. Donc salut.